Et yep, les gens, se retrouvent aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous présenter le tout nouveau DLC. Enfin, c'est pas un DLC, c'est genre une petite mise à jour où ils nous ont ajouté un nouveau mode de rivalité, excusez-moi. Et une nouvelle moto qui s'appelle la Nagasaki Shotaro. Donc elle coûte 2 225 000 dollars. Donc elle est extrêmement chère. Donc pour le faire, il va falloir faire le mode de rivalité retour à la ligne. Donc je crois que c'est comme ça qu'il se prénomme. Donc là, je me suis mis dans un endroit où il faisait assez sombre pour pouvoir vous montrer le véhicule. Car en fait, quand j'ai tourné la vidéo, il faisait pas encore nuit. Donc c'était assez dérangeant pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblait le véhicule. Donc là, je rentre dans le Los Santos Custom. Donc là, on va pouvoir voir les améliorations qu'on peut faire sur cette Shotaro. Donc le blindage, j'en mets pas. Frein de course au max, moteur au max. Garde-boue avant, vous voyez que ça enlève. Comment dire, les néons, on va dire que c'est entre guillemets. Donc du coup je l'ai pas mis. Phare au xénon normal. Ensuite peinture. Donc là c'est le plus intéressant. Donc n'importe quelle couleur que vous mettrez secondaire, donc sera celle qui brille. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Donc la couleur secondaire sera celle qui brille. Donc là vous prenez bien la couleur principale, vous prenez celle qui fera ressortir la couleur secondaire et qui fera encore plus briller votre moto. Donc la Shotaro. Et en couleur secondaire, donc j'ai voulu faire du violet un peu stylé, sauf que j'ai oublié qu'il n'y avait plus de nacré. Donc du coup, je vais voir que je vais mettre après du métallisé rouge Torino. Donc le crew aussi, avec le crew ça marche, sauf que vous pouvez voir que je n'ai pas encore débloqué ma couleur de crew. Je pensais qu'avec ma couleur de crew, ça pourrait rendre un truc assez stylé. Donc là, vous allez voir que j'ai mis assez de temps pour trouver la couleur qui me plaisait le plus. Donc là, je vais prendre le rouge Torino. Car franchement, c'est la couleur. Comme vous savez tous que j'adore le rouge, du coup, c'est la couleur qui ferait encore plus ressortir la couleur secondaire qui est du noir. Si je me trompe pas, hein, c'est du noir ou du gris, mais voilà, c'est un des deux. Une couleur assez sombre. Donc voilà. Enfin, vous avez vu que j'ai mis plus de 30 secondes à trouver la couleur. C'est assez long, ouais. Bref. Donc là vous pouvez voir que je vais mettre du rouge Torino comme je vous dis tout à l'heure. Hop là. Vous pouvez voir que c'est que le fameux c'était pas mal hein. Mais bon je préfère quand même mettre du rouge Torino. Donc voilà. Donc là on va passer la transmission maximum, turbo maximum, roue. Donc là les roues, vous pouvez voir qu'on peut les changer mais ça change pas parce qu'on les voit pas en fait. On les voit pas donc ça sert strictement à rien. Alors si vous avez beaucoup d'argent vous pouvez encore le faire. Pour ceux qui en ont encore quoi. Donc là, on va se rendre directement en magasin de vêtements car oui, il y a des nouvelles tenues. Elles sont très très chères. Franchement, je trouve pas qu'elles valent leur prix, mais voilà. Après, chacun son avis. Pour ma part, je pense, j'ai pas fait de test, mais je suppose que cette moto va la plus vite du jeu. Déjà, pour débourser 2 225 000 dollars, vaut mieux que ce soit la plus rapide. Donc là, parce que le design, bon bah, elle est stylée. Mais après, si c'est pas que ce soit la plus rapide, ça sert strictement rien de l'avoir. C'est juste pour le style. Donc là, il va falloir aller dans les tenues. Donc il y a juste dans les tenues, hein. Vous pouvez pas acheter ça séparément. Voilà, donc tenue, retour à la ligne, donc voici comment s'appelle le mode de rivalité. Et la violette elle est juste magnifique, sauf que bah, vous pouvez voir que ma moto elle est en rouge, donc du coup j'ai décidé de prendre du rouge. Donc après je vais rentrer dans le... sur les rails de train, et vous pouvez voir que ça a bien fait ressortir la couleur. Donc je fais une petite coupure, juste le temps d'aller sur les rails. Et hop là, donc on peut voir qu'on est sur les rails. On peut voir que ça rend super bien. Par contre, la tenue, je suis un petit peu. Bon, elle rend bien, mais après, c'est genre trop trop clair, je trouve, pour le rouge. Ça fait plutôt du rose. Rose. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi, je vous dis peace. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.